Bonjour, mon avis. Déjà pour commencer, c'est un film un petit peu compliqué à comprendre. Je reste un peu mitigée sur certains trucs, mais dans l'ensemble, ça va. Premier point positif. Pas mal d'idées sont bonnes. Deuxième point positif, les effets spéciaux sont bons. Troisième point positif, les bruitages sont bons. Quatrième point positif, l'atmosphère est là. Et c'est une atmosphère à suspense qui se crée. Place maintenant au premier point négatif. L'action a un peu du mal à se mettre en route. Deuxième point négatif, le domaine du surnaturel n'est pas présent par rapport au premier volet. Troisième point négatif, les échanges des messages pour leur police de caractère, c'est pas écrit assez grand. Donc on n'arrive pas à tout lire les messages, ou en tout cas, on arrive à en lire certains, mais pas dans l'ensemble. Ensuite, autre point négatif, les interactions des personnes quand ils communiquent via leurs réseaux sociaux. Ça va assez vite. On n'a pas vraiment le temps de bien suivre. Ma conclusion, c'est que c'est un bon film. J'ai bien aimé. Je le préfère au premier volet. Même si j'aurais voulu que l'idée du surnaturel soit là et présente, je le trouve mieux réalisé. Je lui accorde un 12,5 sur 20. Mais ça vaut aussi largement un 13 sur 20. Étant donné que je suis mitigée sur ce film, bah il y a ces deux notes-là parce que j'arrive pas à choisir l'une ou l'autre, tout simplement. Donc, je tiens à remercier Laurine. Donc, Laurine, je te remercie car je sais que tu passeras dans cette vidéo pour la regarder. Car c'est toi qui as voulu que je fasse un avis. Donc, bah merci à toi. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. À vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse. Je vous dis bye. Ciao.